Lundi 5 mars 2018, bonjour tout le monde, nous comptons rentrer la chambre pour nous capables de vous première sortie téléjournal là pour semaine-ci là. D'ores et déjà, nous avons souhaité tout le monde passer une excellente semaine. Bonjour Ruben. Bonjour Ricardo, nous avons plaisir pour nous capables ensemble. Bonjour Haïti, bonjour, bonsoir le monde. Déjà, nous avons souhaité nous passer un très bon lundi sur TNH. Ricardo, bon lundi, bonne semaine à vous-même. Merci Ruben, et très bon lundi à vous-même également. Mes principaux points cap pour faire essentiel le journal là pour aujourd'hui, lundi 5 mars là. Ancien ministre de l'Agriculture, naturel et développement rural agronome Gérald Martinet mourit samedi 3 mars 2018 dans l'hôpital Canapé Vert dans Port-au-Prince à 64 l'année sous tête. Toute transaction qui a fait dans le pays a été faite en goudre d'après un arrêté présidentiel qui portait date 1er mars 2018. La décision s'apprend pour capable stabiliser taux de changement selon le gouvernement. Président de la République, Jovenel Moïse, a parlé dans le téléphone avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, mercredi 28 février passé, sur raison qu'il a causé absence à Haïti dans la réunion qui déroulait sous question choléra dans New York, pays États-Unis. C'est ensemble pour ça à Camp Pilote, qui a fait l'essentiel du journal. Nous avons invité à arrêter de brancher, nous avons tourné un petit moment, tant pis pas déplacer. Merci parce que toujours été branché télévision nationale d'Haïti. Bienvenue dans le développement information. La présidence pote éclaircissement sur l'état relation entre Haïti et l'organisation Nations Unies après Haïti a boudé une rencontre au niveau qui était gagné pour dérouler dans New York dans date 28 février sous dossier épidémie choléra. Porte-parole présidentielle Lucien Jurat fait connaître le président de la République, la Jovenel Moïse, te gagne une conversation dans le téléphone avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Sur question, si là, pendant porte-parole, a expliqué la rencontre de New York, la reportée pour une autre date. Je vous invite à suivre une bout d'intervention à Miko Sabine Jean-Étienne avec le journal du dernier. Chef de l'État, pas fait déplacement parce que l'activité dans les Nations Unies est presque coïncidée avec 29e session CARICOM là côté que gagné représentante de la MINUJUST qui dans même moment te fait sa autorité haïtienne considéré comme étant un écart au niveau diplomatique, un accroc dans le cadre des relations internationales et par rapport à écart ça qui c'est en position t'es exprimé sur un dossier éminemment national et politique, l'appareil d'État haïtien a réagi avec tout d'abord une convocation de Madame Page, qui est représentante de la MINUJUST, en convocation par le chancelier haïtien pour que il vienne expliquer. Tout le monde qui gagne des connaissances avancées en diplomatie, je t'ai dit pour sermonner. Et il a dit tout que c'est la première étape dans le cadre de mécontentement par rapport à un accroc sur le plan diplomatique. Et après convocation, Madame Page, tu as gagné le rappel de l'ambassadeur d'Haïti à l'ONU, l'ambassadeur Denis Régis, et dans le même moment, le gouvernement, à travers le ministère des Affaires étrangères, tu as formellement non communiqué exprimer mécontentement par rapport à Akosa sur le plan diplomatique. Est-ce qu'on peut expliquer pour les téléspectateurs et quand ça va parler que Mme Page est censée faire dans le dossier pays d'Haïti et qui, de qui nature lié, qui ça lié exactement? Dans la relation diplomatique entre les États et les institutions internationales, diplomatiques, ont quand même assigné à ça nous relayer en obligation de réserve. Gagner des dossiers lorsqu'on est diplomate, non seulement si c'est un dossier éminemment national, local, pas qu'on doit interférer là-dedans, comme même où tu as interférer, gagner des mécanismes d'interférence progressivement où tu es capable d'engager pour arriver là-dedans. Vous voulez parler de dossier Petro-Caribéa? C'est de ça qu'il s'agit par rapport à, au comportement, à la note exprimée par la MINUJUST et autorité haïtienne
au plus haut niveau, estimé que c'est parti du devoir de Mme Page, de la Minujuste, pour te prononcer. Et c'est ça qui pourra expliquer ensemble de mesures nous sorties à parler là. Et dans une conjoncture comme ça, dans un contexte comme ça, côté que gagne un gros malaise auprès des autorités haïtiennes, le président de la République estimait que le moment n'est pas propice pour la Chita discuter avec les Nations Unies parce que ce n'est pas parce que le pays d'Haïti a un problème avec les Nations Unies ou bien il a un problème avec les Nations Unies. Le pays d'Haïti, c'est quand même membre fondateur des Nations Unies. Je veux dire, relation entre les Nations Unies et Haïti, Haïti a gagné là-dedans les Nations Unies également. Cependant, si l'État haïtien dit vive la coopération, s'il dit oui à la coopération, mais il parlait là d'une coopération sur fond de respect des règles du jeu, sur fond de respect. Et c'est ce qu'Haïti exige aujourd'hui, lui demander pour que, avec même égard, lui traiter tous partenaires internationaux, et bien lui-même lui traiter avec même égard ça, à savoir respect des règles de l'art en matière de relations internationales en rapport aux relations diplomatiques. Donc on est... On t'a enchaîné pour me dire que la preuve est telle que pas une volonté que gagne un bras de fer le chef de l'État après ses mesures au niveau diplomatique pour te signifier le mécontentement d'Haïti par rapport à cet agissement. Dans la soirée du mercredi 28 février, il était relayé le secrétaire général de l'ONU, M. Guterres, pour le informer que Haïti n'est pas capable de participer à une rencontre extrêmement importante pour le pays, parce que Haïti estimait que un écart qui fait auprès de représentants de la Minijuste, Mme Suzanne Page. Et nous rencontre que dans entretien téléphonique chef l'État avec le secrétaire général de l'ONU, hein, M. Guterres, t'es désolé de ce que un tel comportement t'est affiché. Il t'a dit que l'ONU n'a gagné aucune responsabilité là-dedans, que cette déclaration ou cette position exprimée par Mme Suzanne Page n'engageait qu'elle, mais qu'elle n'a pas engagé l'ONU. Et à la fin de la discussion, de cet échange très fructueux entre le président de la République et le secrétaire général de l'ONU, M. Guterres, il était venu mettre d'accord pour que ce n'est pas une annulation de rencontre là qui fait, mais plutôt un report à une date, un report à une date ultérieure, une date pour fixer pile devant. Le temps que, si vous voulez, ça qui existait là comme situation li émoussé. Député circonscription Keskofla, Alfredo Antoine, critique position chef mission Nations Unies qui a appuyé la justice par Boris Sita Minijuste, Suzanne Page, qui rentre colle dans affaires internes payants d'après parlementaire. Député Keskofla a rappelé Haïti c'est un pays indépendant, n'est pas possible pour responsable Minijuste intervenir dans affaires internes pays d'Haïti. En nous souvenant extrait de la déclaration de Namiko Fedner Kofida. Ambassadeur qui au niveau Minijuste, Madame Page et Suzanne, qui fait des déclarations intempestives, qui font notre sortie, voyez, et pour dire, pour faire des déclarations et qui allaient que interférer dans les affaires internes de l'État. Moi, je crois que déclaration ça l'a pas fait pour aider l'État haïtien. Au contraire, il fait pour que gain panique, un bouleversement social, parce que surtout genre de diplomate ça existence liée avec pays d'Haïti, c'est en fonction de problèmes qui gagne. Donc si pas un problème dans pays là, place pas plat, donc la paix sociale et stabilité que nous besoin, penser que c'est haïtien vraiment
qui besoin stabilité pour que pays nous gagne progrès pendant que n'a fait promotion l'état haïtien gouvernement haïtien a recevoir les chefs d'état des pays de la Caraïbe donc pays CARICOM pendant que n'a recevoir son belle publicité pour pays que a dit qui gagne sécurité nous gagne plus que 12 chefs d'état et de gouvernement que l'état haïtien a recevoir et c'est dans moment ça dans la veille que madame ça va faire notre sortie pour le dire que il salue de décision interne qui pas gagne aucun rapport avec madame Page. Donc n'a dit que Haïti son pays autonome, un pays indépendant depuis plus que 200 ans, nous souverain, conseiller diplomate là gagne droit de réserve, conseiller de déclaration qui pas regarder que le pas doit à fourrer boucher dans affaires internes. Au niveau parlement accord là avant même que mini juste te prend siège li accord là te doit ratifier. Voilà que la accord là li déposé au niveau bureau Assemblée nationale là nous poko sanctionner accord là et gouvernement là li péché li pas supposé ba autorisation à mini juste pour la instrumenter pour la parler dans pays a pour mission ça établi sans que accord là Jean Constitution dit les accords, les traités, les conventions doivent être ratifiés par le Parlement. Donc nous pouvons ratifier le Parlement et c'est un appel que nous avons lancé à l'endroit du bureau de l'Assemblée nationale pour capable vraiment mettre accord ça en discussion pour que le Parlement arrive à sanctionner. Nous avons arrêté qui portait date 28 février 2018. Le gouvernement Moïse Lafontaine fait obligation pour toute transaction commerciale qu'a faite en dedans le pays, faite dans la monnaie nationale qui c'est good. Décision ça a rentré dans le cadre de GFOI qui en place la fait pour capable assurer une stabilité économique en dedans le pays. Nous avons invité à suivre un papier avec Anne-Marguerite Auguste. Arrêté ça qui a 10 articles la donne avec plusieurs considérants. Exigé pour toute transaction commerciale qu'a faite sur territoire haïtien, faite dans monnaie pays qui c'est good. Autorité yo di yo prend décision ça à cause l'autre monnaie qu'a circulé dans pays affecté coût produit yo. Dans sens ça, l'état qui gagne responsabilité pour protéger intérêt collectivité yo à garantir bien-être population an, prend décision ça pour veiller sur bon fonctionnement mécanisme économie haïtienne nan, dans l'idée pour prévenir toute crise ak mauvais interprétation contre monnaie nationale là. Nan même arrêté ça dirigeant yo di li important pour prévenir et puis sanctionner toute mauvaise pratique commerciale kap contribuer pour détériorer pouvoir d'achat famille haïtienne yo et puis appauvrir population haïtienne nan. Dans l'article 6 arrêté ça, l'État mande tout citoyen pour dénoncer et porter plainte contre tout le monde et entreprise qui a réclamé paiement dans monnaie étrangère au soit équivalent li en goud. Le yo fin fait une transaction commerciale au soit acheter yo bien ou service. Décision ça d'après autorité yo c'est pour permettre goud la reprendre valeur devant l'autre monnaie étrangère yo à créer une stabilité économique sûre dans pays ya. Pour assurer suivi application disposition sa yo autorité yo mette campé un comité qui gen la donne représentant banque centrale ministère économie ak finance ministère commerce ak industrie kap gen nan tête li un cadre primature kap gen pour présenter un rapport périodique ba chef gouvernement sou impact mesure sa yo comité a après travail sa yo a bien pour faire recommandations nécessaires pour plus bon application mesure sa yo. N'a toujours été dans cadre décision ça pour gouvernement prend pour que toute transaction commerciale soit faite en goud par Boïsite et ben gagne premier ministre paysan Jacques Lafontaine qui était gagne clé ministre économie et finance Jude Alexa Pateka Salomon ministre commerce et industrie Pierre-Marie Dumeny et puis gouverneur banque centrale là Jean-Baden Dubois qui expliquait vendredi passé à yo prend mesi ça pour capable faciliter et stabilité économique par bon ici temps en nous souvient extrait l'été dans micro 7 quoi pas qui à mobile TNH loi pays hein? Monnaie nationale là c'est goud lié on l'autre bagay encore gouvernement de la république là toute action que li prend dans sens
intérêt peuple là. C'est dans ce sens ça, après plusieurs mois de travail, de réflexion, le gouvernement prend décision responsable pour que toute transaction financière qui est faite dans la République d'Haïti pour être faite en good. Monsieur Zeda, on peut prendre un petit exemple. On ne parle pas de balle, obligé à changer le corps pour qu'il y ait un dollar américain pour aller non balle. On a besoin d'un spectacle dollar américain. On a besoin d'une série de restaurants dollar américain. Si classe moyenne, elle a pour payer loyer Kylie. Chaque mois, il faut la battre la rue pour jouer un dollar américain parce que sans goût de les toucher pour le payer loyer Kylie. On a besoin d'acheter un terrain. Un terrain, oui. Dollar américain. Il y a deux personnes même là qui vendent service avec un mécanicien. Il dit, ah, c'est un US pour payer. Certains magasins prix ont affiché en dollars. Tandis que grande majorité des haïtiens revenu yo, c'est un coup de lié. Tout fonctionnaire l'État nous yo, policiers, professeurs l'école, tout docteur qui travaille dans la santé publique, infirmière, auxiliaire, petit personnel, tout c'est un coup de yo touché. Donc son façon pour me dire nous que décision ça que nous prenons, c'est l'aller dans le sens intérêt grande majorité haïtien. Ministre économie et finance là Judev Alix Patrick Salomon et gouverneur banque centrale là Jean-Baptiste Dubois fait qu'on a une décision ça pour toute transaction commerciale yo fait en gouden entrée dans cadre objectif pour mettre l'ordre dans marché taux change là. Ministre commerce et industrie Pierre Marie Duméni annoncé toutes mesures nécessaires prendre pour toute institution et banque commerciale respecter décision cela. On a invité au suivi dans micro c'est quoi pas qui avec mobile télévision nationale d'Haïti. Article 6 constitution dit comme ça. Monnaie nationale, c'est la goutte, c'est goutte que l'est. Malheureusement, nous avons certaines institutions de la place qui ont affiché prix. Je voulais parler de certains restaurants, certains hôtels qui ont affiché prix en dollars. Au niveau du ministère du Commerce, rôle nous, avec tout gouvernement, c'est accompagner la population dans la quête de mieux-être. Nous, en service et au service de la population, nous là pour nous protéger l'intérêt de la population. C'est ça qui fait affichage puis en goût de l'an qui ton sorte de caillou l'an soulier nous, journée jodien, nous décider de retirer caillou ça et nous prend ou appliquer pour arrêter pour nous dire que désormais, tout prio sur toute l'étendue du territoire de la République, il faut afficher en goût. Parce que les priants n'est pas affiché en goutte, ça crée ou sorte ça relève ou sorte de inflation ou poussé inflationniste au Kéden, ça crée ou pression sous goutte là. En ce sens, il faut me rappeler nous tout, Haïti c'est un rare pays, ok, côté qui gagne double circulation de monnaie, à savoir la goutte et le dollar. Au niveau du ministère du Commerce, on va tout mettre en œuvre pour que, ok, appliquer ça. Arrêter ça, appliquer dans son intégralité. Nous avons une brigade que nous allons déployer à travers tout le territoire national pour nous faire respecter mesures. L'un gagne d'Acadie exigence de payer en dollars, son problème lié, son situation d'insécurité, parce que nous obligeons à chercher dollars dans la rue, et son problème parce que
Ntakadou priant ou vin gagner en inflation naturelle parce que même l'œil affiché prix en dollars l'on pral acheter dollar ou gon différence de change qu'on pral payer sous li et ainsi de suite. Donc l'idée meilleur bagage là c'est que nous gon seule monnaie qui appliqué mais il demeure certain que soit pas tout besoin dollar ou besoin parce que ces principes là c'est que sous besoin dollar pour parti il doit accessible mais si son transaction a fait sous territoire pas aucune raison pour besoin l'autre monnaie que monnaie qui est en cours sous territoire et que constitution a dit son seul monnaie gain. Sous bon parle gouverneur banque république d'Haïti BRH Jean-Baden Dubois salue décision ça gouvernement prend pour capable contrôler transaction financière pas bon ici. Yon l'autre côté gouverneur banque centrale Jean-Baden Dubois mandé pour toute institution financière yo bay crédit yo en goda. Toujours dans micro 7 quoi pas qui avec mobile TNH. La banque centrale fait un pile effort et notamment au niveau des cartes. Dès que le mandé que toute carte, que ce soit carte de débit et carte de crédit, que libellé en goud et que toute transaction est faite en goud. La Banque centrale mandé tout que institution financière, yo, que bay crédit à la consommation, que son crédit en goud que lié. Parce que le pas fait trop sens que chaque individu, chaque client, chaque jour bon Dieu mette pour la chercher un dollar pour le payer en prêt ou bien pour le payer en carte de crédit. Mais cependant, il se trouve que depuis que nous rentrons en fait dans taux de change flexible, parce que nous n'avons pas taux de change fixe en Haïti, nous avons taux de change flexible. Depuis que nous rentrons dans taux de change flexible là, il se trouve que la goud pratiquement vient en comme monnaie de second ordre. Et la monnaie qui est utilisée, c'est le dollar qui est utilisé. Et alors que majorité haïtien a touché en goud. Donc, il est fondamental que y ait ramené les pendules à l'heure de façon à ce que tous les prix affichés en goud. Le décret de 1989, c'est un décret qui autorisait que tout le monde gagne, en fait, que banque yo ka ouvri des comptes en dollars pour n'importe qui moun. Donc, ça veut dire que moun a toujours ka gagne compte en dollars. Dans le décret, il bien dit les transactions commerciales. Mais le mal font dépôt sous compte en dollars, moi. Son dépôt relié, c'est pour une transaction commerciale, c'est l'homme pour l'acheter avec l'homme commercial. Ça veut dire que ça, c'est pour dire que cette histoire de dire que pas un compte en dollars encore dans le système, non. Dès le 1er janvier, je dis encore, ok, ça, ok, circulaire là, pas mettre en question. Ça, c'est le premier bagage, je veux que vous le clair pour tout le monde. Deuxième bagage pour me dire que la loi sur les bureaux de change, la loi sur les bureaux de change, sur les agents de change, dit clairement que tout le monde qui reçoit un transfert, il est supposé recevoir comme lui dans la monnaie que vous voulez transférer pour lui. Ça veut dire qui ça? C'est le monde qui a choisi dans qui monnaie que il a payé. Et c'est un décret loi qui dit ça. Ok? Ça me pense que c'est important pour le clair, pour que nous ne pas mélanger banane avec orange, ok, pour ne pas faire un amalgame. Je pense que c'est extrêmement important que nous clarifions tout le bagage. Toujours dans le même dossier, si le gouvernement sur route pour accorder un délai à un propriétaire magasin suite à la publication arrêté présidentiel, ça qui peut date 28 février passé, qui demandait pour toute transaction commerciale faite sur le territoire national là, en goud. Porte-parole présidentiel, Lucien Jura expliqué l'économie haïtienne là, a tiré plus avantage dans la décision ça qui prend le mettre campé loin circulation l'agence SPEC sous marché. On a envie de suivre. Haïti c'est seul pays journée aujourd'hui côté que nous joignons la double circulation monétaire soit aux États-Unis kounyan ou soit en Europe en Haïti kou rive goud wa pa ka fanye avec li fòk ou converti kòb ou gen en dollar soit en Europe ou te met gen dollar fòk ou convertil en euro alors qu'en Haïti nous gen deux monnaies qui a chevauché
ce qui c'est une grave anomalie, eh bien l'État, pour corriger la situation, ça il vient avec arrêter ça, côté que dorénavant, toute transaction qu'a fait, que ce soit dans un restaurant, dans un magasin, quel que soit côté aller, hein, eh bien c'est en gros que facture, yo, vous venez nous joindre nous ou même pour payer et non en dollars. Est-ce que ça veut dire on ne peut pas avoir un compte en dollars? Non, c'est pas ça du tout. On a toujours un compte en dollars, mais de pour acheter, de pour payer pour un service en Haïti, journée aujourd'hui, hein, à partir de arrêter ça, il faut qu'on doit payer dans caisse là. C'est goodly. Est-ce qu'on connaît, je ne jeudi, on a parlé deux jours après publication arrêtée, hein, jusqu'à présent, il y a des magasins qui toujours affiché prix en dollars. Tout à fait, et l'État est conscient de ça parce que même le arrêté en sortie, ce n'est pas du jour au lendemain que il y a des machines qui étaient programmées en dollars pour facturation, yo, etc. Ils ont pris automatiquement, ils ont même converti, ils ont fait le changement qu'il faut. Yo. Pour recalibrer machine ça yo, l'État a accordé un délai à propriétaire magasin, mais non arrêté. Un délai de combien de jours? On arrêté, pas capable de traiter de questions ça. Bon circulaire qui doit sortir incessamment, certainement en début de semaine prochaine, qui pourra fixer échéance pour que magasin ça yo, yo même, yo recalibrer, yo reprogrammer machine yo, de telle sorte que à partir d'une date X donnée, toute transactions qu'a fait dans le pays, yo tout net, yo capable de facturer yo et payer yo en goud. Et qui avantage en disposition qu'on ça gagne pour état santé et goud là par rapport à dollar là, qui ça va le changer? Parmi avantages yo gagne tout d'abord diminution de risque que gagne spéculation parce que la plupart du temps qui sont qu'on constater moun yo plutôt changer cob yo goud yo en dollar, yo stocker dollar là et puis ça qu'on provoquer rareté sous marché, gagner également risque que gagne souvent inflation avec mesure ça son moyen pour capable contourner pour que gagne plus sérénité au niveau du système là tout et youn un gros avantage et mesure ça décision ça c'est que dans taux de change dans commerce informel qui connaît dans la rue souvent il ba lieu à ça nous reler des transactions douteuses gagne l'argent sale qui au même qu'on transiter par commerce échange qui gagne dans la rue c'est pral un moyen entre autres pour que nous réduire risque de circulation de fonds douteux de l'argent sale qui souvent qu'on profiter de ça gagne comme réalité dans la rue pour que yo envahi marché. Regroupement parti politique en tête nationale pour instabilité et progrès changer nom les venir connier la dialogue national pour instabilité et progrès décision ça venir d'après responsable c'est le pays et le placer enfin sur le chemin du développement durable. Disons-le, cet amour indicible et cette passion manifestée par le président Jovenel Moïse pour faire avancer notre cher Haïti mérite d'être encouragé et soutenu par toutes les forces vives et conscientes de la nation. Aujourd'hui, il est un impératif de dialoguer avec tous les secteurs de la vie nationale, mais en tirant très humblement les leçons de notre passé récent et surtout de l'expérience des pays frères de l'Amérique latine qui se sont engagés à regrouper leurs forces et à dialoguer avec toutes les forces de leur pays. Nous croyons fermement que le moment est venu pour le grand réveil national parce que l'expérience que nous venons de vivre dans le pays au cours de ces dernières années nous apprend que la polarisation actuelle risque de nous jeter tous dans le précipice et que
nous ne pouvons plus continuer à vouloir vivre dans ce chaos social marqué par l'exclusion et le rejet systématique de l'autre. Nous avons annoncé, lundi, différents titres. Ancien ministre agronome, agriculture, ressources naturelles et développement rural, agronome Gérald Mathurin, mouru samedi 3 mars passé dans l'hôpital Canapé Vert à cause d'un accident cardiovasculaire. Gérald Mathurin, fait Jacques Mel, il était diplômé dans la faculté agronomie dans la promotion 1973-1977. Il était commencé carrière agronome dans l'ODVA. Ensuite, il était prêt Vini, directeur général ODVA. Il était fait tout une spécialisation dans Rizikidi avant de devenir directeur programme développement intégré dans Jérémy. Après, il après le Vini ministre agriculture sous administration Prévala, sorti 1996 pour arriver 1997. Il tout fondateur et coordonnateur régional organisation CIDES qui est un mouvement social paysan. Femmes et jeunes. Télévision nationale d'Haïti avec toute équipe là, vous voyez, sympathie libre, famille avec les amis, ancien ministre agriculture et ressources naturelles, agronome Gérald Mathurin. C'est là tout journal Akaba pour aujourd'hui, mais juste avant nous aller n'a rappelons un simple point qui était fait essentiel le journal là pour maintenir ancien ministre agriculture et ressources naturelles et développement rural agronome Gérald Mathurin mourit samedi 3 mars passé à l'hôpital Canapé Vert dans Port-au-Prince à l'âge 64 l'année. Toute transaction qu'a faite dans le pays a dû être faite en goutte d'après un arrêté présidentiel qui peut être date 1er mars. La décision ça prend pour capable stabiliser taux de changement sur le membre gouvernement. Président République, la Jovenel Moïse a parlé dans le téléphone avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, mercredi 28 février passé, sous raison que la cause Haïti pas présent dans la réunion qui déroulait sous question choléra dans New York, pays États-Unis. Et c'est là, journal la rive dans Boutli, nous sommes contents ensemble avec vous pour être capable d'informer vous. Il était seulement pour nous capables de souhaiter passer un très bon lundi. Ricardine, nous sommes contents avec vous. Bon lundi à vous. Merci, Ruben. Un très bon lundi, très bonne semaine. Nous vous croisons dans la prochaine sortie téléjournal. Et vous-même, téléspectateurs et téléspectatrices, chaîne YouTube, nous souhaitons passer une très bonne semaine. Mais surtout, restez branchés chez YouTube, plus qu'informations à part pour suivre son antenne télévision l'État.